Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors vidéo très intéressante puisque vous allez découvrir les étapes importantes pour réparer un mur. Vous êtes peut-être sur une crédence dans votre salle de bain, vous avez enlevé le carrelage et vous ne savez plus comment vous y prendre. Les solutions sont dans cette vidéo. On va d'abord enlever le carrelage sur des murs, ensuite on va un petit peu le préparer et on va apprendre à ratisser pour avoir un mur qui est prêt à carreler. Allez, et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On va le préparer ce mur, on va ratisser, boucher les trous. L'important, il est d'essayer de ne pas trop rentrer dans le mur en fait. Il est vraiment de rester à la surface entre le carreau et le mur. Bah déjà pour pas fragiliser le mur parce que c'est de la brique rouge. Hein. Enlever carreau par carreau aussi. Le casque, hein. Vous voyez, donc avant en fait ils posaient pas du tout de primaire, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils rayaient le support. Vous voyez, donc là ici on voit qu'ils ont passé leur coup, vous voyez, de cutter pour rayer et pour faire en sorte que la colle adhère. Le support buvait complètement et trop rapidement l'eau, ce qui fait que ça se figeait, mais que ça n'avait pas entre guillemets le bon temps de prise. Donc moi je vais passer un primaire vraiment adapté à ce support là, un primaire tout support par la suite, mais bon, on a quand même un peu de travail avant. Je vais m'y attaquer à ce meuble. Je vais t'avoir, toi. Toi, je vais t'avoir. C'est entre lui et moi. Bon, je vais enlever tout le rang ici parce que on sait jamais si ça tire dans ce sens-là. Je vais abîmer le miroir puisque celles-ci sont posées dessus le plan. Et c'est là que je casse le miroir. Là, je m'en veux. Et je vais le tenter. Ah, miroir intact. Ouh. Bon, allez, on découvre le meuble. Ça, c'est fait. Il fait chaud. Sinon, ça va vous? Ouais, toi aussi. Bien derrière le carrelage. Bon, on a tout déposé. Là, maintenant, on va évacuer les gravats. Ensuite, on va regratter un petit peu nos murs vraiment dans les angles. Et puis, toutes les petites imperfections, le restant de colle, on va tout bien regratter. Coup de primaire d'accrochage et on ratisse avec de la PF3, mais ça, c'est après. Hein. Ouh, il y en a de partout. Voilà, cette surface-là, celle qu'on a enlevée ici, et puis le meuble. Pendant que vous regardez les vidéos, moi en fait je travaille. Ouais.
je vais bien scotcher le bord de la baignoire parce que je vais re-ratisser ici et il faut pas laisser le lire. Bon, maintenant je vais regratter mes murs parce que il y a toujours 2-3 imperfections dessus. Des fois, en passant la main, on sent vraiment les imperfections. Bon, cette vidéo vous plaît, hein ? Bah, le petit pouce, ça permet de mieux référencer les vidéos. Puis n'hésitez pas non plus à la partager, cette vidéo. Surtout de bien faire attention aux angles. Bon, j'enlève les imperfections maintenant, ben je vais dépoussiérer. On a tout bien dépoussiéré, primaire d'accrochage, pour rendre le support bien rugueux et pour le figer aussi. Rouleau, c'est bien pratique quand même parce que lorsqu'il y a des trous, en appuyant un peu, ça prend bien, ça épouse bien la forme du trou. Voilà. Au moins après notre passe de plâtre, eh ben, elle tiendra bien. Bon allez, maintenant, bah, je vais ratisser les murs. Alors, je vais ratisser vraiment pour reboucher les trous. Bon, moi, personnellement, j'utilise de la colle puissance 3 ou de la PF3, comme vous voulez. Moi, c'est vrai que je m'en sers pour les montages et je m'en sers aussi bah, pour ratisser mes murs. Ouais, quand même, la consistance, c'est pas très liquide, hein. Sinon c'est un peu dur à travailler. Bah, ça a tendance à glisser, quoi. Et après, le lendemain, quand il y a des petits cartons, hop, avec la petite spatule, on les enlève et puis c'est bon. Après, demain, on pourra passer nos primaires. Ça a tendance à sécher très très vite aussi. Donc, vaut mieux faire par petite quantité, quoi. Bon, par exemple ici, il y a des petits trous comme ça. Et on se met dessus. Et les angles, avec le petit couteau comme ça, c'est toujours de bien nettoyer. Voilà. Et franchement, il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir passé sa colle, de poser son carreau et de se rendre compte bah, qu'il y a quelque chose qui gèle, parce qu'après il faut enlever, ça va se mettre dans la colle, enfin bon, c'est infini. Donc, bah voilà, c'est pour ça. Toujours enlever le maximum d'imperfections.
Bon, une fois que tout ça est fait, et ben je repasse du primaire d'accrochage. Bah après, c'est étanchéité en deux passes avec des bandes d'angle. Allez. Bon, alors protégez bien la baignoire, hein, sinon vous allez en mettre de partout. L'étape cruciale, c'est l'étanchéité, puisque vous l'avez vu, c'est dans une douche. Alors, j'ai eu malheureusement un petit souci avec ma caméra, puisqu'elle est tombée et malheureusement, bah, elle n'est plus là. Par contre, j'ai déjà publié une vidéo où vous me voyez passer un spec, c'est le système de protection à l'eau sous carrelage. Et donc, je vais vous mettre l'affiche qui va s'afficher juste au-dessus de moi. Vous allez la voir et vous verrez toutes les étapes pour réaliser une étanchéité dans une douche. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert plusieurs étapes pour pouvoir rattraper vos murs, ratisser vos murs et enfin pouvoir carreler par-dessus. N'oubliez pas non plus que désormais CaroTuto est aussi sur Instagram. Vous avez le site carotuto.fr aussi si vous voulez des informations sur l'outillage que j'utilise. Écoutez, j'ai envie de vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.